en tête ni sous amendement constitution. En fait, pour qui ça me dit ça, c'est que les m'a regardé extrait que nous passer. Madame Maniga est beaucoup plus nuancée aujourd'hui, même quand c'est lui-même qui écrit un livre plaidoyer pour une nouvelle constitution, aujourd'hui elle pose question entre amendement avec nouvelle constitution, il faut société à décider qui s'en a fait. Parce que nouvelle constitution dit constituante. Qui dit c'est l'exécutif qui a la prérogative de mettre en place une constituante. Et nous comptons ça, ça veut dire avec suspicion qui gagne en Haïti, l'exécutif dit que le pralmiton assemblée constituante pour changer la constitution. Ou te poser question, Lionel Edouard, moi-même, réponse que ma baoua dit beaucoup mieux que si vous gagnez une commission compétente ou gagnez un parlementaire qui est capable de faire, qui comprend la nécessité pour faire un travail. Objectif pour le passer dans le Parlement. Parce que la commission qui est dans le Parlement, li reflète, m'da capable de dire, la mosaïque, la représentativité politique au sein du Parlement. Donc, li non partisan, théoriquement, et li permet en pile monde de retrouver dans la Constitution. Parce que le ou mandon exécutif mettait en place une assemblée constituante, même le yo mandé exécutif là, tout le monde mettait en place l'assemblée constituante pour consulter société civile là. Mais il y a un exécutif qui prend le point de société civile, pas yo, bah elle a capable de gagner force côté. Donc là, manque force, là, manque poids. Là, manque une constitution, faut payer à d'ailleurs. Professeur Léon Saint-Louis se touche un autre problème qui est extrêmement important. Professeur Saint-Louis dit, mais est-ce que nous-mêmes, comme haïtiens, nous avons conscience de constitution que nous liés par conseil? Haïtien que nous y est-ce que nous avons conscience, est-ce que nous aimons, est-ce que nous d'accord que la constitution ça faut nous respecter? Est-ce que nous d'accord que je veux être démocratique là? Est-ce que nous d'accord respecter l'institution? Est-ce que nous d'accord que le contrat social ça que la constitution représente, nous pourrons le respecter? Ou touche un gros problème, et professeur, moi-même ça me dit, il y a deux bagailles. Effectivement, matin, un gros journaliste qui posait une question, mais est-ce que le problème n'est pas un problème culturel, un problème d'application de la Constitution, un problème du respect par nos hommes et femmes politiques de la Constitution? C'est vrai, mais ça me dit. Moi, je dis que nous pas qu'attendre que culturellement, socialement, nous parler pour une Constitution moderne qui baille démocratie à Jarret. Moi, je dis que c'est deux bagages qu'il faut faire. D'abord, fond, amendement. Pour nous payer à une constitution qui marie avec les besoins d'aujourd'hui et les enjeux de demain. En même temps, il ne faut pas oublier que, de point de vue éducationnel, il faut nous assurer que depuis l'école, si les gens que nous avons formés, que nous avons éduqués, il faut nous inculquer les notions de la démocratie, les notions du savoir-vivre, les notions que l'on perdu ou rentrer la caillou ou à parer l'autre élection. Tout ça, c'est des phénomènes que nous vivons pendant les 30 dernières années qui montrent nous peut-être qu'il y a des difficultés nous-mêmes comme peuple haïtien pour nous accepter la démocratie comme règle de jeu. Mais nous avons cru que à travers l'éducation et la formation, nous avons formé une nouvelle génération qui a venu pour que dans 20, 30, 40, 50 ans, nous avons une démocratie qui blaille, qui bouge tout bon. Très bien. Alors, mis à part la question culturelle que médecin lui, avec le directeur Dieu, semble d'accord sur lui, mais pour nous d'accord tout qu'il y a des problèmes majeurs qui posent la constitution. Et ça n'a pas rien pour le voir avec le culturel. La question de régime politique, vous parlez. Alors, Gomba qui est extrêmement important. Vous parlez de quorum et vous parlez d'aussi de problèmes spécifiques qui viennent dans. Nous parlons de Souyo, justement. Nous parlons de Souyo. Et Jean Dabdia. Après, professeur Saint-Louis m'a réagi. Jean Dabdia, professeur Saint-Louis, problème dans Lila. La question de quorum au niveau du Parlement. La question, je ne dis pas, des immunités qui créent un bon problème ces dernières années. Et quelque part, dans tout projet amendement sérieux, il faut que le groupe qui a mené la question amendement t'a penché sur ça. Oui, très bien. Et bon, avant de venir directement à la question pour là, Gonti, il m'a appelé Prince député Tardieu. Il dit vraiment, ça me dit assez, il a fait dans la commission. Très bien. Mais je ne sais pas qu'on ait une démarche là, méthodologie là. Ça veut dire que je parle de ethnologue, sociologue, et anthropologue, psychologue, etc. Moi, je vois que son groupe d'experts, ils font un travail précis, essayer de déterminer les causes de l'instabilité institutionnelle. C'est-à-dire que je pense que si nous avons une réponse comme ça, scientifique, nous sommes capables de dire, ouais. Qui ça pour une, comment pour une jeune constitution qui t'a partagé par tout le monde et que tout le monde t'a retrouvé là. Et est-ce que nous sommes peuple tout qui a vivre la constitution? Je viens de poser toute question ça, parce que toute histoire pays nous se consacre.
Est-ce que nous avons vivre la constitution? Parce que l'Angleterre n'a pas une constitution. C'est une constitution coutumière. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes peuple qui pour vivre, je nous voulais, nous prenons pouvoir, parce que quel que soit leur fait constitution, coup d'État vini. Justement. Constitution, ça n'a pas de prévoir, ça n'a pas de gouvernement provisoire à la donne. Mais nous prenons trois coups d'État contre deux présidents élus. Nous prenons près de sept gouvernements provisoires en transition. Je ne pas compter les militaires, non. Je ne sais pas qui vient après le coup d'État. Vous comprenez? Nous avons un conseil électoral qui l'a tenu là une seule fois provisoire pour le défendre en transition. Mais nous passons plus d'une douzaine provisoires. Alors que l'écrit. Alors, médecin, peut-être que mon chénier, qui ça, d'après ou par rapport avec l'étude qu'on fait, l'étude qu'on fait de constitution, mais qui empêche la mise en place institution ça, justement, qui doit faire démocratie à fonctionner dans le pays? Eh bien, justement, c'est réponse à mesure. Hein? C'est réponse à mesure. Moi, je ne sais pas quoi je vais formation, je ne pas permettre de faire. C'est juriste, moi, c'est légaliste, c'est comme ça, moi, bagaille. Alors, directeur, oui. qui sont joints nous-mêmes par rapport avec les consultations qu'on a fait autour de constitution, qui ça qui est à la base de problèmes d'institutionnalisation de la démocratie dans le pays, conseil électoral provisoire qui vient permanent, nous gagnons un coût constitutionnel qui n'a pas jamais mis en place après amendement, conseil consultatif là, qui n'a pas jamais mis en place, et malgré tout problème qui gagne dans le pays, pas jamais qui est ouais. Qui ça problème dans le pays? D'abord et avant tout, irresponsabilité leader qui succède au pouvoir après 1986. Nous votons constitution. Dans l'exaltation, dans l'excitation, nous sommes très contents de sortir d'une dictature, nous faisons des projections d'avenir. Et puis, malheureusement, nous sommes passés d'apprêter une période de stabilité, nous entrons dans une période d'instabilité. De coup d'État en coup d'État, de gouvernement provisoire, l'aubaine en finances publiques, dépréciation monnaie nationale, en fait, tout ça que nous connaissons pendant 30 ans, qui mène nous côté nous y là. Donc, en fait, c'est un échec collectif, c'est un échec de société, et surtout, c'est de la responsabilité de nos leaders. Qui est plus intéressé dans faire coquin pour arrêter au pouvoir, pour bâtir un ami au pouvoir, au lieu que vous-même de jouer le jeu démocratique. Voilà, donc ça, c'est clair. Maintenant, sur les problèmes spécifiques opposés, vous parlez de l'immunité. C'est un gros problème. Pour qui ça? Parce que vous conseillez le député, vous conseillez le sénateur, qui n'en sac pas ça, et puis quand vous comme député, vous sénateur, et puis vous cachez des immunités, puis vous faites ça pas ça. C'est un problème. À combattre à tous les prix, deux façons. D'abord, ou même quand vous votez un député, un sénateur ou un magistrat, assurez-vous que le niveau de moralité avant de voter, ça c'est une. Deuxièmement, la société a veillé, elle n'a pas dans le Parlement encore, pour répondre de l'acquis. Mais c'est ça qui intéresse plus dans ça. Immunité, il faut faire attention. Nous gardons des gens qui cachent des immunités pour faire ça que pas ça. Mais quel problème? Le Parlement a besoin de remplir le parlementaire tout bon pour la contrôler l'exécutif, pour la questionner au ministre, pour la convoquer, inviter, demander questions, il faut le protéger. Ouais. Parce que s'il n'est pas protégé, nous avons un grand professeur de droit à côté de nous, il a monté toute qualité, il a taillé toute bonnette pour lui, il a monté toute qualité parole pour lui, il a relé la justice et le pas qu'à faire travailler. Ouais. Un parlementaire sérieux, besoin d'immunité pour protéger, pour le contrôler l'exécutif, pour le demander répondre de comment l'argent l'État cap dépensé. Si nous ne protégeons pas le parlementaire, nous ne pouvons pas permettre de faire travail pour faire. Donc, il faut être clair. Que me faut une couverture, directeur Dieu. Alors, remettre en cause l'immunité parlementaire, ce n'est pas éliminer l'immunité. Oui, parce que dans tout pays sur la terre, le parlementaire a un régime d'immunité qui marchait avec le statut. Mais cependant, pour lever l'immunité, il y a tout pour le babylon. Ça n'a rien de caché. Je vous dis, il y a des gens qui ont fait des bagages de rôle, qui ont des procédures. Bon, ici, c'est l'Assemblée. Mais ce n'est pas tout côté, c'est l'Assemblée qui levait l'immunité. Alors, exemple, en France, c'est le bureau. Ah, oui. Est-ce que le procédure de levée d'immunité, ça, l'obligé aussi lourd. Puis bien comprendre une question et vous avez raison. Ouais, ça fait que là, l'intéressant, c'est le débat sociétal. C'est-à-dire que c'est qui société nous voulons, parce que la constitution, c'est un contrat de société. C'est-à-dire qui règle que nous avons besoin de mettre entre nous et qui. C'est tout ça, débat. Et ça, bel exercice que nous avons fait au niveau de la Chambre des députés, c'est de voir comment dans la société, il y a des visions, d'abord consensuelles, sont pile bagaille, mais il y a des gens qui sont fondamentalement convaincus et de leur position, alors que il y a d'autres qui sont fondamentalement convaincus de l'autre. Même capable de dire à travers tout cela, l'un a gardé par exemple
question intégration des Haïtiens vivant à l'étranger, qui sont composantes extrêmement importantes. En pile là-dedans, on demande une représentation au Parlement pour les Haïtiens vivant à l'étranger. Ceci va nous amener à quoi? À la question d'intégration. Non pays qui n'a pas de ressources, non pays qui n'a pas de moyens, non pays qui n'a pas de monde qui connaît, là, c'est extrêmement important pour nous. Si il y a un Haïtien qui a une autre nationalité, qui fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, l'entrée ici, qui poste quoi permettre d'y occuper? On va parler de poste électif. Est-ce qu'on va permettre des magistrats, députés, sénateurs? Tout ça fait partie de débat que nous avons fait là. Et débat ça extrêmement intéressant. Je profite de Haïti 360 pour me dire toute organisation que nous pouvons consulter au niveau de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, toute personnalité qui a parole pour nous dire, nous mettons écrit nous en le Parlement. Non seulement nous avons reçu la proposition, nous avons analysé naturellement. Ce n'est pas toute proposition que nous avons fait nous que nous avons reçu la. Cependant, c'est un processus qui est ouvert et transparent. Ou même quand vous regardez la CAWA, vous devez participer. Alors, nous parlons de nos points qui sont très chers à professeur Saint-Louis, c'est la question de juridiction constitutionnelle, justice constitutionnelle forte pour permettre justement que constitution, que ce soit dans cadre d'un amendement ou bien une nouvelle constitution, devienne applicable. Bien que nous avons entendu, directeur de ce que ce cours, nous avons tout nous souligner encore. Oui. Parce que nous, carrément, pendant un certain temps, nous avons une question de marchandage de cours en bas. Moi-même, j'étais accrédité dans le Parlement, c'est des bagages que nous devons vivre, nous devons suivre. Bon, son technique, pas mal de justement, son technique, mais en France, le résout le problème, non. Oui. Parce que le marchandage n'a pas qu'à indéfini. Lien d'un problème spécifique que n'a pas. Justement, nous avons regardé qui, Jean, et dans le cadre des commissions, nous avons Noël. Alors, professeur Saint-Louis, qui, Jean, je vous dis, nous capable de concevoir une justice constitutionnelle en Haïti pour nous rendre non seulement démocratie fonctionnelle, mais également une constitution, que ce soit amendée ou bien nouvelle, qui est capable de répondre à besoin démocratique qui vient en Haïti. Et bon, il faut commencer par dire que toute constitution a besoin de protection. Et protection, c'est juridiction de contrôle de constitutionnalité. OK? Et en Haïti, nous avons une histoire sur ça depuis la constitution de 1843. Nous avons une histoire qui, la Cour de cassation, tous les tribunaux d'abord, ensuite la Cour de cassation qui vient juge de constitutionnalité des lois. Nous étions à ça de 1843, nous passons toute période, arrivé à 2011. Jusqu'à ce que vous venez dire Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que maintenant, Conseil constitutionnel, il prévoit qu'il remplace la Cour de cassation, il n'est pas monté, il n'est pas formé, il n'est pas fonctionnel. Donc, je veux dire, on va même attaquer en loi. Voilà, voilà. Et c'est grave. Et c'est là, moi-même, je c'est pas ça que je considère. Demandez-moi, est-ce que dirigeant de l'État, il n'y a pas de importance? Puisque, forme d'un bagaille. Pendant. De 2011 à 2018, ça fait 7 ans, tout le monde a marché normalement. Que le Parlement a pris une loi qui est constitutionnelle, il n'y a pas de problème, non? Il a passé. Il a passé. C'est-à-dire que ça n'a pas de problème, non? Or, si on est un pays qui a un état de droit vraiment, état démocratique vraiment, ou un paquet de recours que tu as un propre fait là, déjà, il y a un autre bagage encore. Généralement, le monde a un problème, c'est manifestation au fait. Il n'y a pas fait recours pour mettre juge ou bien tribunaux qui sont placés pour ça, dit le mot du droit. Et puis c'est ainsi qu'on va pas appliquer la constitution. Et il faut dire pas qu'il y a médiation dans la crise qui gagne entre pouvoir politique et l'État. Non, pas gagné. L'entité n'a pas sous pied. Il n'y a pas sous pied, pas un conseil constitutionnel. Bon, j'ai l'impression qu'il y a tout simplement un modèle conseil constitutionnel français. Il y a une grande réforme qui était faite en France en 2008. Pour des questions prioritaires de constitutionnalité, il y a tout mis ton bagage comme ça là. Et puis la gueule. Très bien. Très bien. Alors, nous allons retourner avec Jerry Tardieu parce que nous allons mettre dans Jerry sur la question couronne. Bien sûr, bien sûr. Et même après tout lancer votre question, ça permet que vous fassiez deux interventions pour nous remettre celui parce que le temps il coûte et nous avons pile bagage pour nous dans le cadre d'une émission comme ça. Non seulement la question de couronne, mais il y a également la question de décharge. Qui instrumentalisé à volonté ces derniers temps, ouais. Moun qui a mis les têtes au service de la nation, j'en ai dit, et puis bien hypothéqué, bien grévé, il n'y a pas de possibilité pour recouvrir bien yo, après que vous sortiez de fonction. Journée et jour, est-ce que dans l'amendement tout, nous adresser la question d'échange là? Qui j'en aurait? Lionel Edouard, nous prenons tout bagaille. Pas grand rien à quitter derrière, il faut travailler complet parce qu'on amendement, c'est pour faire chaque semaine ou bien chaque mois. Donc nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous demander tout le bagage. Décharge.
tout secteur que nous rencontrons, d'accord sur ça. Yo dit nous décharge là pas un outil politique pour qu'un monde qui veut servir pays a. D'ailleurs, est-ce qu'on connaît que l'on servit pays même si pour 3 mois ou pas gain décharge. Et bien on connaît qu'on perd du tout droit comme citoyen. Nous t'attend des anciens sénateurs Paul Denis qui t'a dit nous que cyclone Mathieu allait avec tête Kylie. Celle-là elle t'a gagné son bien papa le quitté pour lui qu'il était besoin vendre pour mettre quelques feuilles toll sous dos Kylie. Et bien il t'oblige fait 9 mois l'abdomen serein parce que le pas fouti vendre pour jouer une cobla pour l'acheter toll là. Mais Lionel Edouard, est-ce que nous qu'a traité comme ça? Ça n'en nous qu'a servi l'état. Parce que des jeunes tant que même Lionel Edouard ou bien d'a capable de des professionnels aussi chevronnés que professeur Saint-Louis, est-ce que nous avons quitté dehors pendant que vous connaissez que si vous entrez pour le service d'État, vous avez perdu le droit comme citoyen à part entière. Donc, effectivement, il y a des courants de pensée différents, il y a des gens, tout le monde d'accord que faut pas en zone politique, faut pas politiser. Maintenant, il y a deux options qui sont devant nous par rapport à ça, nous voyons que le secteur est exprimé. D'abord, il y a une pensée carrément qu'il faut quitter au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, seul chargé d'analyser techniquement les dossiers et de donner la décharge. Il y a des gens qui pensent s'il t'a arrêté dans le Parlement, il faut qu'il limite dans le temps. Ça veut dire que si en 6 mois, ben 12 mois, pas oublier que là, on a fait des suppositions, nous avons théorie, nous ne pouvons aucune recommandation. C'est des propositions que vous faites, nous, que vous partagez avec nous. Pour qui ça? Parce que vous public. Ce n'est pas dévoiler, m'a dévoilé des secrets d'État. Et bien, il y a des gens qui pensent que dès lors qu'on s'y conscrit dans le temps, pas de problème. Mais tout ça, c'est ça qui va faire l'objet de réflexion pour nous capables de prendre une décision. Sur la question du quorum, la même chose, il y a des dispositions qui pour prendre pour que pas de politique de la chaise vide qui pour bloquer le fonctionnement de l'État. On va parler de quorum, gros bagage qui lié avec qui est extrêmement important. Puisque qui dit quorum, dit présence des parlementaires pour travailler. Oui, mais il y a des petits bagages qui sont très simples que nous. Même par rapport à, nous sommes capables de dire, le temps, l'agenda législatif. C'est-à-dire que, ou gagner une constitution qui permet aux députés d'aller en vacances à des moments côté que c'est le sable pour travailler. Justement. Octobre, novembre, tout le monde. Tandis que, il y a l'heure, il censé travailler, alors que c'est l'heure, ça a pris grandes vacances en été, que il y a pile d'activités de fête champêtre, qui demandent proximité de députés à toi avec mon lacalé. Parce qu'on ne peut pas oublier. Et de fait, il n'y a pas de travail. Et de fait, il n'y a pas de travail. Donc, il y a un effet boule de neige, problème d'image, je dis député pas de travail. Et mais qui j'ai pour nous corriger ça, encore une fois, Lionel Edouard, nous pourrons regarder toute bagaille, y compris séquence que. Enfin, les séquences à travers lesquelles, au niveau de l'année, que le parlementaire travaille. Parce qu'on ne peut pas oublier que le Sénat siège en permanence, mais la Chambre des députés a gagné 2 sessions législatives de 4 mois chaque année. Donc ça, il faut finalement tout. Bon, bonne autre bagarre, la question des magistrats, des maires. Nous recevons un pile de monde qui questionnait, nous capable de dire, et question dont maire principal avec 2 maires assesseurs qui toujours à goûter. Problème qui gagne, le mairie a dysfonctionnel. Problème qui gagne, c'est que ces populations qui payent les pots cassés parce que mairie n'a pas marché, pas bail service. Donc, il y a ensemble de points que nous menons et nous avons invité la société à arrêter très vigilant, semaine prochaine, n'a publié dans la presse et n'a convoqué la presse, n'a invité la presse, c'est pas convoqué. Alors c'est langage parlementaire. N'a invité la presse, nos conférences de presse pour nous expliquer qui ça nous joue dans la consultation nationale. Un débat qui est extrêmement instructif, c'est dommage que c'est seulement une heure de temps nous gagnons pour nous parler de ça. Mais bon point qui est fondamental, et je pense que nous n'avons pas fini l'émission ça, ça ne va pas parler de ça. Le CSPJ est mis en place, Conseil supérieur au pouvoir judiciaire. Malgré ça, la question d'indépendance du pouvoir judiciaire est toujours posée. Je vous dis à M. Sylvie, notre cadre d'amendement qui vont ouais question d'indépendance du pouvoir judiciaire là pour permettre justement que l'équilibre entre trois pouvoirs d'État, Jean Montesquieu, en pilote et ça avant, parler dans le cadre de la société démocratique là, elle est capable d'être effective et permettre que chemin à tracer vers l'État de droit nous arriver à bon port. Mm-hmm. Bon, CSP, je connais, c'est le plus gros problème qui gagne. Moi, je suis capable de ça parce que loi contre le CSPJ, c'est moi qui suis là-dedans. Okay. On t'a fait. Et le projet. Et l'exécutif n'a jamais voulu le CSPJ. Je suis capable de ça. C'est comme ça. Parce que Jean-Louis, il n'y a pas consulté, même les gens l'autre, j'ai retiré là-dedans. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait depuis 2007, combien? Depuis 2007, il est là. C'est jusqu'en 2007, il est sorti. Il n'y a pas de CSPJ en place jusqu'en 2012. Ou qu'à comprendre ça. Il n'y a pas de ville.
yo toujours voulu que c'est ministère de la justice qui doit diriger la justice. Comprenez? Parce que il y a des nèg même qui doit consacrer pouvoir pas carité pour pas gagner en une des juges non même. Ouais, nèg de ça carrément. Comprenez? Et CSPJ, finalement, CSPJ paraît. Mais CSPJ paraît là, pour le fonctionner, il faut des moyens pour le fonctionner, moyens limités, à mon avis. Et il n'y a pas jamais considéré CSPJ vraiment comme un bagage. Bon exemple, l'an 2016, grand accord politique qui a fait. Mais on voit c'est Parlement exécutif qui fait. Accord le président Martin Libralea. Il mettait deux pouvoirs ça et puis il y a deux pouvoirs pour les deux pouvoirs de l'État dans le texte de Rouleville. Ça veut dire que c'est CSPJ pour le pouvoir de l'État. Dans l'esprit. Or, constitution même, il dit pouvoir judiciaire est clair. Mais c'est le problème qui posait maintenant, c'est lui, mm-hmm. c'est le fait que nous attribuions des rôles politiques, je ne vous dis pas, à pouvoir judiciaire là, qui sont pouvoirs qui ne sont pas supposés politiques. Non, par exemple. Écoutez, nomination et moun dans le conseil du président. Non, écoutez. Et ça clair, pour tout pouvoir l'État c'est politique. Oui. Mm-hmm. Parce que l'État c'est politique. Mais le pouvoir politique qui a mené. On dit au sens strict. Oui. Et c'est-à-dire parlement et exécutif, il a fait politique. Mm-hmm. Pouvoir judiciaire lui-même, son pouvoir politique lié tout, mais il pas fait la politique lui-même. C'est l'institutionnel, c'est politique. Par exemple, là pour un juge qui décidait son loi d'adoption du droit inconstitutionnel, son acte politique lui posé, parce que c'est parlement qui fait loi. Si on dit que le cas contrôle loi qu'on prend, ou vote une loi. Judiciaire dit loi inconstitutionnelle, on mettait le dire son acte politique. Il n'y a pas faire politique de parti. Il n'y a pas faire politique comme d'adou, il y a besoin de majorité tel côté, pas majorité tel côté. Il est neutre. Et c'est indépendance. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? On a même pensé à réduire la théorie de Montesquieu en deux pouvoirs. Justement. Parce que l'orvingon exécutif qui a une majorité dans le Parlement, c'est parce qu'on gagne le pouvoir, au fait. Seul pouvoir critique en face, c'est le pouvoir judiciaire. C'est pas bloc fait lui. Oui. C'est le pouvoir judiciaire critique en face, qui sont pouvoir de garantie de contrôle. Donc, lui-même, il n'est pas fait politique, il n'est pas dans politique. Par exemple, ça qui a passé pour ça, cause en face, c'est la justice. Ouais, c'est pas politique, mais c'est politique lié. Parce que son problème de contrôle des comptes de campagne qui a parlé, c'est politique. Et j'ai la fait politique là, mais le pape fait politique comme là pour le contre Sarkozy, la fait politique pour l'État. Est-ce que sincérité élection, hein? Est-ce que moralité élection, M. Téluya, c'est vrai? Puisque si on dit que tu prends comme à l'étranger, vous voyez là, c'est pas une politique. Alors, mon problème dans le nous avons un problème en Haïti, rapidement. Plus gros problème, nous n'avons pas que je me c'est le problème de la compétence politique en Haïti. Il est temps pour tout le monde comprendre. Ou pas capable de diriger l'État sans pas une formation adéquate pour ça. Ça me quoi la dernière, n'a toujours un pile problème. Lorsqu'on prend un nègre qui comprenne, le député, le sénateur, le président, c'est politique, politicien, il vient de faire. C'est stratégie, il vient de faire. C'est marronnage, il vient de faire. Alors que c'est l'État qui vient de gérer. Est-ce qu'elle a conscience à l'État? C'est un peu de parler. Oui. Pas cacher. Parce que. Il ne veut même pas. Ou pas qu'à diriger l'État sans pas connaître l'État. Ou pas capable. C'est pas du coup balder un job là. Il faut avoir une préparation pour le job là. C'est pourquoi moi-même, je suis que j'ai pile l'école de sciences politiques qui fait en Haïti Kounia pour moi apprendre qu'on est ou apprendre le métier. Il y a le métier de politicien. Ouais. Sont professionnels ou pas capable comme ça. Merci lui et nous le café toute nuit là, n'a parlé là mais permettre que nous balle directeur Dieu la parole. Mais pour le conclure mais pour le dire moli autour de question indépendance pouvoir judiciaire ça qui Jean Well dans cadre et commission qui a travaillé sur question amendement constitution hein, que lui-même dit c'est nous dans monde qui dans tête commission ça. Bon, et d'ailleurs mais pour ton tinuance quand même sous quelques bail professeur Saint-Louis sous dit là parce que justice pas ta censé faire politique. La politique est dans les affaires de la cité. Tout le monde fait politique. Il pas fait politique. Hein? Non, clair. Alors, gros bagage qui vivait, professeur Saint-Louis. Ou a parlé, par exemple, de l'accord du 6 février
côté que Michel Martin dit président de la République, pas de possibilité pour le passer échappe là-bas un président élu pour la continuité institutionnelle de l'État. Mm-hmm. Donc, les corps législatifs et l'exécutif co-dépositaire de la souveraineté nationale et qui ont responsabilité pour combler le vide et pour s'assurer que pendant une certaine période, on puisse s'organiser, avoir des élections et retrouver la normalité constitutionnelle. Raison qui fait que vous quittez justice là du secteur judiciaire, c'est pas parce que le papa a mis les trois pouvoirs de l'État, sauf que vous velléité pour ne pas politiser justice en Haïti. C'est pour ça, M. Saint-Louis, qu'en 2011, dans l'amendement, yo, il pas prévoir que le gain vacances pour quelques raisons que ce soit, qui sont le problème encore, que le président de la Cour de cassation capable d'occuper une fonction politique. C'est parce que nous avons besoin qu'il y ait justice là, de net, pour nous capables de quitter le plus indépendant que possible. Ceci dit, il y a un débat autour de la question. Mais ça, c'est plus important sur la question du CSPJ. Et me songer, me saluer le travail qu'on a fait pour le CSPJ, parce que si le camp est dans certaines autonomies, c'est des mondes tant court qui travaillent, qui bataillent pour ça. CSPJ joue un rôle extrêmement important auprès de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Nous travaillons avec eux et nous avons un document vraiment extrêmement intéressant côté où parler de tout problème qui est dans le système au niveau de la nomination des juges, au niveau des difficultés qu'on aura si au niveau des collectivités il doit y avoir nomination de juges avec la participation de certains pouvoirs locaux. Il y a un bon bagage qui est mis devant nous, il y a attiré l'attention nous et nous prenons le prendre en considération. Mais puis gros problème là, c'est professeur Saint-Louis Dil. C'est la question que le secteur judiciaire est traité en parent pauvre. Et c'est là que je suis d'accord avec vous. Nous disons que nous avons une démocratie qui est basée sur trois pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Le judiciaire n'a que 0,8% du budget national. Ce n'est pas normal. On ne peut pas construire une démocratie sans justice, on ne peut pas construire justice sur un système judiciaire solide, on ne peut pas foutre un système judiciaire solide sur un CSPJ qui est indépendant et qui a moyens pour le fonctionner. Alors, nous sommes suivis un débat qui excessivement animé et grand pilote point que nous sommes capables de débattre sur tellement la question de la constitution de 1987 tant dans sa version originelle et dans sa version amendée l'hypothèse à débat en dans société là. Et nous avons avec nous Jerry Tardieu, député qui a travaillé dans la commission en dans chambre députée qui a occupé des questions amendement de la constitution. Nous avons avec nous tout professeur Léon Saint-Louis, éminent juriste qui passait de présentation vraiment professeur d'université qui gagne en pile texte que le produit, en pile réflexion tout que le produit autour de la question de la constitution de 1987. Et c'est bien dommage que nous pas guettons tout point que nous devrions voir dans cette émission ça. Mais ce n'est que parti pour nous, nous avons pour nous chiter encore avec des experts et Jerry Tardieu comme monde qui a travaillé en permanence sur la question amendement ça jusqu'à ce que ça acabe. Eh bien, Haïti 360 a bout là à Soya. Nous souhaitons que vous passez une très bonne nuit et que vous rejoignez nous la semaine prochaine pour l'autre édition Haïti 360 parce que question lumière sur question actualité et pour faire avancement démocratie, pas de jeunes suspendre sur la télévision nationale d'Haïti, télévision Paul. Bonsoir à tous.